Les informations qui sont contenues dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Il est de votre responsabilité de vous informer, de vous former. Est-ce que ça te dirait de faire un investissement qui te ramène plus 30% sur une année? Ça veut dire que pour 10 000 euros investis, eh bien tu récupères 3 000 euros en faisant quasiment rien, vraiment. Eh bien, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et si ça t'intéresse de savoir comment j'ai fait, comment peut-être toi aussi tu pourrais réussir à faire la même chose, eh bien regarde cette vidéo, mais regarde-la vraiment jusqu'au bout parce que tu verras qu'il n'y a pas que des bons côtés. J'ai pas l'habitude de tordre la réalité. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière. Je m'appelle Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. C'est une chaîne qui te permet de faire des économies sans te priver et également d'apprendre comment investir ton argent pour qu'il travaille à ta place. Si tu veux faire des économies sur l'alimentation, le logement, le transport, tu peux télécharger gratuitement le guide des techniques frugalistes. C'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Et si tu veux aller beaucoup, beaucoup plus loin, eh bien, il y a ça. C'est mon livre, ça s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont, c'est en vente dans toutes les librairies et j'ai eu le plaisir d'apprendre cette semaine que le livre il était même en vente dans les supermarchés Leclerc, apparemment en tête de gondole. Donc bah écoute, je suis super content parce que j'ai écrit ce livre pour faire en sorte qu'il soit disponible auprès du plus grand nombre, pour essayer de parler au plus grand nombre possible, tu vois, essayer de parler d'indépendance financière, de liberté financière, d'éducation financière. Donc vraiment, je suis super content, je vous remercie pour les commentaires que vous avez lâchés en tiesse de m'envoyer. Vraiment, du fond du cœur, c'est super cool. Je propose un programme d'accompagnement personnel. Ça comprend une formation, un ensemble de vidéos que tu peux consulter pour te former, monter en compétences et en savoir-faire. Ça comprend également des séances de coaching privé entre toi et moi, et des séances de coaching groupe, de coaching collective, et un groupe WhatsApp avec la communauté qu'on a créée. Si tu veux plus d'informations, eh bien tu regardes en description de la vidéo, il y a les liens si tu veux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter. Retrouvez-moi en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Alors comment j'ai réussi à faire plus 30% sur une année? Ça c'est la grande question, je vais lever le voile et te révéler un grand secret. Tu verras que c'est pas très compliqué et que n'importe qui peut y arriver, vraiment. Je vais vraiment t'expliquer comment j'ai réussi à faire ça. En fait, j'ai réussi à faire ça grâce à l'un de mes ETF. Alors les ETF, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Exchange Traded Funds. Il s'agit de fonds de placement qui sont placés en bourse, qui sont cotés en bourse et qui vont reproduire, qui vont copier, qui vont mimer le comportement d'un indice boursier à la hausse comme à la baisse. Mais c'est jamais facile d'arriver à trouver les bonnes entreprises sur lesquelles bien, tu vas décider d'investir. C'est très compliqué, ça demande une immense, immense expertise et c'est à tout risque. Je veux dire, imagine que tu es investi sur le transport aérien avant la crise, avant la pandémie. Bah, t'imagines le drame pour tes finances, quoi. C'est dur. Et ça, c'est difficile de savoir à l'avance. Parce qu'on n'est pas Madame Soleil. Ah, l'amour, l'argent et la forme. Je suis Madame Soleil. Je vous attends sur Minitel. Je vous dirai tout. 3615 Soleil. Alors, une bonne manière d'essayer de se prémunir de ça, eh bien, c'est de se dire qu'au lieu d'investir sur une valeur, tu vas investir sur un bouquet de valeurs. Ou du moins sur un produit d'investissement qui va reproduire le comportement de ce bouquet de valeurs. Et des bouquets de valeurs comme ça, eh bien, il y en a plein qui existent dans le monde entier sur plein de thématiques. Prenons au moins un que tu connais probablement, dont tu as certainement entendu parler à la télévision, il s'agit du CAC 40. Le CAC 40, beaucoup de personnes imaginent que quand le CAC monte, ça veut dire que la bourse mondiale est en train de monter. En vérité, c'est totalement faux. Ça ne veut même pas dire que la bourse française est en train de monter. Le CAC 40, ça représente simplement les 40 plus grandes valorisations françaises. C'est ça que ça veut dire. Et 40, c'est déjà pas mal. Mais il n'y a pas que 40 valorisations sur le marché français. C'est pas vrai. À la Bourse de Paris, il y en a beaucoup plus. Il y a d'autres indices qui existent sur plein de thématiques. On va prendre le pendant américain du CAC 40. Eh ben, ça va être le S&P 500, le Standard & Poor's 500, les 500 premières grosses valorisations américaines. OK, mais il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres. Il y en a sur les métaux. Il y en a sur le secteur médical. Il y en a sur les marchés asiatiques émergents. Il y en a sur plein de choses. Il y en a sur l'or. Il y en a sur l'argent. Il y en a sur plein, plein, plein de trucs. Et il y en a qui se sont donné comme mission de reproduire des indices qui donnent la température, en fin de compte, la température mondiale. Il y a un de ces indices qui est assez connu, assez célèbre, c'est le MSCI World. Et il y a des ETF qui vont
essayer de reproduire le comportement de ce MSCI World. Et ça, c'est disponible dans le PEA. Le PEA, c'est le plan d'épargne en action, d'accord? C'est le type de compte que tu pourrais ouvrir auprès de ta banque, auprès d'un courtier. Je recommande au passage, bien entendu, plutôt des courtiers en ligne pour réduire les coûts des transactions, hein, plutôt que de passer par les banques traditionnelles. Eh bien, ça, c'est disponible à l'intérieur du PEA. Ça veut dire que dans ton PEA, eh bien, tu vas pouvoir investir en un clic sur quelque chose qui va reproduire, qui va copier, enfin du moins, qui est censé copier le comportement de cet indice World, par exemple. D'accord ? Et ça, à moindre coût. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu pourrais très bien te dire, bah, moi je vais confier mon argent à un gestionnaire professionnel qui va l'investir sur des marchés financiers, etc. Et qui se donne pour objectif de battre le CAC 40, mettons, ou de faire mieux que ceci, cela. Voilà. Et c'est bien, seulement la vérité, c'est que ces gestionnaires, ils prennent très souvent des frais qui sont très importants et qui vont littéralement plomber la rentabilité de ton investissement. Je pense qu'une des meilleures manières de réussir à investir en lissant les risques, en limitant les risques, eh bien, il va s'agir d'investir sur l'ensemble des marchés, c'est-à-dire le marché monde, ou du moins ce qui va s'en rapprocher le plus possible. On est de l'autre côté de mon ordinateur, je suis sur le site d'Amundi. J'ai tapé dans Google tout simplement ETF World PEA, tu vois, tu arrives sur le site d'Amundi. Et donc tu vois cet ETF, qui est celui qui nous intéresse, hein, son petit code c'est le fameux CW8, avec des frais courants de 0,38%, c'est-à-dire peanuts. C'est que dalle comparativement à ce que tu vas payer si tu donnes ton argent à un gestionnaire, bien entendu. Alors on remarque que la répartition, les titres notables, on va trouver Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet et Google, Tesla, Nvidia, JP Morgan, Johnson & Johnson. Bon, avec une répartition qui est essentiellement calquée à 22,4% sur les technologies de l'info et sur du financier à 13,29%. Donc technologie de l'info, il faut comprendre, c'est les 0 et les 1, c'est-à-dire ben, toutes les sociétés modernes qui créent de la valeur aujourd'hui. Il faut prendre en compte le fait qu'on est, selon Amundi, sur un niveau de risque qui est du niveau 6 sur 7, c'est-à-dire quasiment le risque le plus élevé. Donc faut pas croire, encore une fois, que les arbres, ça monte jusqu'au ciel, parce que ce serait des bêtises. Là, ici, sur l'ETF, ils nous disent qu'ils sont calqués sur 1700 valeurs mondiales. Que c'est l'avantage de, en un clic, t'achètes 1700 valeurs mondiales, quoi. Je suis sur l'indice MSCI World, hein, ce que nous dit Wikipédia. L'indice MSCI World, il est basé sur 23 pays. Et si on voit ces 23 pays, on a la liste ici, hein, si on clique sur la carte, on voit qu'on va se retrouver essentiellement avec une grosse prépondérance américaine, canadienne, européenne, bien entendu, australienne et Japon. L'Afrique, ça n'existe pas, l'Asie, ça n'existe pas, l'Amérique du Sud, ça n'existe pas. Donc on pourrait envisager de compléter ça avec un ETF asiatique pour avoir une belle représentation du monde, parce qu'il y a d'excellentes valeurs et de très très belles entreprises en Asie également. Ici j'ai simplement tapé dans Google CW8, hein, pour que tu puisses voir un peu, c'est Google Finance, hein, l'outil qui donne ça, et on voit donc un A, voilà, ici tu vois la performance sur un an, on est à 29,48, donc j'indiquais 30% au moment où j'ai fait la vidéo. Mais entre-temps, ça a baissé un petit peu, parce que bah, aujourd'hui, ça a baissé de, je sais pas, 0,34, bon bref. Sur le 5 ans, on est à 85,31%. Et au maximum, c'est-à-dire depuis la date de la création, on était en 3 juillet 2009, on est à plus 388,54%. Bon, alors effectivement, c'est des chiffres hallucinants, mais il faut voir aussi sur la période, sur quelle période de temps on est en train de parler, d'accord? On était en 2009. Alors ce qu'il faut bien retenir par rapport à ça, c'est que si tu mets énormément d'argent maintenant et que demain il y a un gros crack, ça va faire mal, quoi. Tu risques de perdre 40%, voire même 60%, j'en sais rien, en un claquement de doigts, en quelques jours. Et ça c'est difficile, je veux dire psychologiquement, c'est terrible. Donc la bonne manière d'investir dans ces trucs-là, c'est de jouer la tendance plutôt que d'essayer de trouver le momentum. Et pour jouer à la tendance, bah, on fait le petit DCA, c'est-à-dire que tu investis régulièrement une même somme d'argent. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, le DCA, c'est le Dollar Cost Averaging. Je t'invite à aller la voir. Ça te donnera certainement des bonnes idées pour
toi envisager tes investissements, mais encore une fois, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et on ne prend pas de décisions hâtives qui font que tu vas perdre, que tu pourrais perdre, avoir des grosses pertes d'un seul coup. D'accord ? On y va mollo. Alors, je dois être complètement transparent avec toi et t'expliquer que, en fin de compte, quand je parle de 30% de rendement, il s'agit de 30% de rendement brut. À savoir que quand tu investis via le PEA, eh bien, au bout de 5 années de détention, d'accord, eh bien, tu n'auras à payer sur tes gains que la CSGL-CRDS, c'est-à-dire 17,2%, d'accord, à date où je suis en train de faire cette vidéo. Donc, bon, bah voilà, il faudrait retrancher pour voir un petit peu combien ça va nous faire net. Mais tout de même, 30% brut, t'en connais beaucoup des investissements qui te permettent de profiter de ça en faisant presque rien. Je trouve que c'est quand même assez joli, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. C'est un investissement risqué, hein. Faut voir la réalité en face. On est dans un contexte qui est super bizarre. La raison pour laquelle j'ai réussi à faire ces 30%, voyons la vérité en face, c'est pas une raison normale. Il y a eu une impression monétaire de ouf aux États-Unis, en Europe également. Et donc, si tu mettais tout, tu sais, maintenant, genre, ah vas-y, all in, et je vais mettre une forte somme d'argent d'un seul coup sur ce type d'investissement, et ben, si demain, il y a un crack avec une baisse de 60%, ça veut dire que tu vas te manger 60% d'un seul coup dans la figure, quoi. Ça fait mal. Mais on peut essayer de se prémunir de ça simplement en investissant petit à petit, à ton rythme et sans te presser, ce qui fait que tu vas lisser les performances à la hausse comme à la baisse, et puis tu vas essayer de jouer une tendance, tu vas acheter une tendance générale à long terme. Ça, c'est de l'investissement en bon père de famille, en fin de compte. C'est comme ça qu'on réussit à avoir des bons résultats sur le long terme. Moi, je ne sais pas faire des coups, c'est pas mon expertise, je ne suis pas suffisamment bon pour faire ça, et en plus, émotionnellement, je me connais, j'ai pas les nerfs pour faire du trading, parce que je vais être complètement fou à regarder tous les 5 minutes les courbes, c'est pas pour moi. Donc je préfère essayer de faire des choses simples, que je comprends, que j'essaye de partager avec le plus grand nombre, et puis j'essaye aussi, ben, comme je te l'ai indiqué, ben, d'aider d'autres personnes qui veulent essayer de faire travailler leur argent à leur place. C'est le sens de la formation et de l'accompagnement que je propose. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Tu vois qu'il n'y a pas que des bons côtés dans ce type d'investissement. C'est pas que de l'investissement passif, au sens où il faut pas croire que il suffit d'investir comme ça. Il va quand même falloir faire attention à ce qui se passe. Il faudra tout de même parfois prendre des décisions qui auront un impact direct sur ton portefeuille. Donc ça, voilà, il faut vraiment voir les choses en face et prendre en compte aussi le fait que c'est pas impossible qu'on se prenne une énorme gamelle prochainement. C'est tout à fait possible. Quand ça, ben, je suis incapable de vous dire quand, mais enfin voilà, ça fait partie des choses, il faut voir la réalité en face. Néanmoins, ben, ces 30%, ils sont quand même là, preuve à l'appui, courbe à l'appui, vous l'avez vu, et c'est tout à fait réalisable. C'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, lâche-moi un pouce, abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je fais. N'hésite pas à partager cette vidéo, mais à partager mes contenus sur les réseaux sociaux, parce que ça me permet de faire grandir cette audience, cette chaîne, de faire connaître ben, ce qu'on est en train de faire à de plus en plus de personnes et faire grandir notre mouvement des frugalistes en France. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt, merci, salut et ciao.